Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita, tant de nouvelles, ça, qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info, quel que soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter l'édition Nouvelle Parole. Dans l'édition Nouvelle, ça, nous allons parler de vagues d'insécurité qui continuent à valer le terrain dans le pays d'Haïti, violence. Eh bien, c'est ça, nous venons au quotidien dans le pays d'Haïti, nous allons parler de kidnapping qui était fait sous eh bien un PDG Radio-Télévision Caraïbes là, Patrick Moussignac, dans après-midi jeudi qui c'est 3 mars 2022 et que il était pral la gueule yon titan après et donc kidnapping et spectaculaire si là n'a parlé autour de assassinat inspecteur police Robert Plaisimont qui c'était responsable direction administration pénitentiaire dans Grand Sud. Donc, yo touye nan tabac. Donc, c'est pas soi yo fait ainsi, disons, commissaire tourné, donc, qui était responsable d'AP nan Grand Sud, dans région Sud. L'homme tout, eh bien, Robert Manuel, nous parlons de l'homme Robert Manuel, dit Bob Manuel, qui c'était un cerveau sous régime Lavalas là. Il était secrétaire d'État sécurité publique sous René Préval. C'était bon Jean Zami, défunt président René Préval. Donc, monsieur mouri dans le pays Guatemala. Journée 3 mars là. Donc, 5 années, jour pour jour après la mort du président René Préval. Zami internautes, Zami téléspectateurs, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre pour nous présenter l'édition Nouvelle Parola. Jean nous annonce au lit industrie kidnapping violence avec insécurité a continué valer terrain dans le pays d'Haïti principalement dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Yon équipe nègre armée joue nan dan donc te kidnappé PDG Radio Télévision Caraïbes Patrick Moussignac dans après-midi jeudi 3 mars 2022, bon 3h30 comme ça, dans l'après-midi. Donc, dans la centre-ville Port-au-Prince, même action ça a été passé. Mais, donc, environ 15 à 20 minutes après Radio-Télévision Caraïbes a fin annoncé nouvelle là. Donc, eh bien, ravisseur eux-mêmes, yoté lagué PDG Radio-Télévision Caraïbes là. Patrick Moussignac. Donc, c'est sous antenne Radio-Télévision Caraïbe même. Il a annoncé, eh bien, libération. PDG Radio Caraïbe là, Patrick Moussignac, yon titan après. Radio-Télévision Caraïbe, te suspend, émet, te suspend, émission lio. Donc, yon titan après, yon te fin annoncé nouvelle libération. Patron PDG Radio Télévision Caraïbes là, Patrick Moussignac. Et quoi d'ailleurs, nous qui avons été pour nous, ce qui s'est passé.
l'instant, c'est Patrick qui était prioritaire de la mesure, c'est lui-même qui était fait tomber, mais même j'aime ça tout à l'heure, que c'est ADM, que c'est petit personnel, que c'est citoyens, qui est là, je vais préoccuper nous, personne n'a pas victime. Donc, malheureusement, ADM n'est toujours dans mes ravisseurs. Même parce que dans pas trop longtemps, même j'ai fait, je l'ai fait, M. Moussinac là. Je ne pas garder ADM dans tout pour les jeunes familles. Qui joue contre l'enlèvement et Patrick Moussinac là et Johnny Fleur du là. Bon, parce que c'est M. Moussinac, parce que c'est le PDG de Radio-Télévision Caraïbe, mais tout le monde d'accord, c'est qui n'a pas de droit à prendre proportion ça dans le pays. N'importe qui est-ce qui a droit à victime. Que le M. Moussinac, que le dérèle l'autre. Vous pouvez lui faire briser sa sienne, parce que c'est M. Moussinac, tout le monde connaît, comme patron de médias, comme monde qui sont philanthropes, comme monde qui agit bien, tout le monde, comme monde qui font un paquet de bagages position dans le pays. Donc ça révolte un peu le monde. Mais nous prenons comme prétexte pour nous dénoncer toutes les kidnappings qui fait sur quel que soit monde. Donc nous-mêmes, nous ne pas gagner pour nous pointer du doigt X ou Y, tout le monde d'accord, quel que soit le niveau, quel que soit le rang social, quel que soit appartenance politique. Donc je dis à la, j'en paye à pour ça. Pas bon, mes amis. Pas bien, je dis à c'est moi, demain c'est capable, lui-même, après demain, c'est capable vous-même. Donc nous tous avons un devoir de responsabilité dans ce qui a passé. Mais seulement moi-même, je vais signer des autorités dans le pays, que le au niveau de la police, que le au niveau de la justice, que le au niveau politique. Donc il faut commencer à considérer que la réalité n'a pas de là. C'est pas bon, donc il faut bien des mesures qui prennent. Je ne pas dire, mais qui est-ce qui a fait la paix, qui est-ce qui va faire ma place, ça ne va pas. Et moi, je ne parle pas là-bas, je dis, la vie ne va pas là-bas, il va mourir, il va tout le monde. Pas gagner, c'est pas où il va le prendre. Donc je dis à base son fond commun pour faire. On dit non, on ne va pas fonctionner comme ça, on ne va pas vivre comme ça, ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais même si on trop chaud, il va arriver, il va obliger la gueule. Et on a continué à faire un travail là. On continue à faire un travail là. On va faire un travail là. Faut songer, amis téléspectateurs, amis internautes, et donc lundi qui était 28 février 2022, administrateur Radio-Télévision Caraïbe, Mac Théagène, eh bien, nèg ak gros amlou qui était à bord, yon Toyota Zorekin, te kidnappé dans zone Riel Vague, tout près radio, ensemble avec Madame Li, jouk nan moment, nou tap monté programme ça, eh bien, Mac Théagène, te toujours nommé. Ravisseur avec toute Madame Li. L'autre kidnapping spectaculaire qui fait dans Port-au-Prince journée mercredi, c'est deux docteurs, docteur Michel D'Alexis avec docteur Pierre Bonsi. Donc docteur D'Alexis qui c'est gynécologue avec docteur Pierre Bonsi qui lui-même qui c'est urologue, nèg à gros am fanfaname yo en uniforme la police. Kidnappé en plein séance consultation nan clinique yo nan polyclinique Riel Ben côté yap travail c'est plaisir et ben secteur nan société a ki yo même réprouvé qui révolté contre action banditis sa yo qui a fait nan société a principalement secteur médical. Employé nan l'hôpital Eliazar Germain nan Pétionville té tan men yon mouvement journée mercredi a côté yo té manifesté et puis mettez barré la ria avec banc avec plusieurs autres matériels qui étaient dans main yo te joindre sous passage yo et ben pour te réclamer libération docteur deux docteurs yo principalement docteur Pierre Bonsi qui lui-même c'est urologue seul urologue l'hôpital Eliazar Germain lui-même li gagnen cap travail là-dedans cap bay population en service comme l'hôpital l'état. Toujours dossier insécurité, amis internautes, nèg ak gros am fan fwa nan men yo, moun pa rive identifié, touye en babal. Donc la kaili, tout près la kaili, nan taba, nan zone Idiwan, ça gagne environ 4 jours. Commissaire principal Robert Plaisimont,
qui c'était responsable direction administration pénitentiaire dans région sud. Donc c'est pas soi yo fait, donc commissaire Plaisimont Tounet, d'après ça madame ni fait connaît, donc yo prend machine ni, yo prend zam il était gagné sous lit d'après madame li, qui lui-même c'est Marjorie Plaisimont qui lui-même qui c'est un policier tout qui t'a parlé sur antenne radio télévision Kiskeya. D'après ça le fait qu'on est, eh bien c'est avec un pile tristesse l'ital constaté, eh bien la mort Maril côté lui-même, c'est lui-même qui t'est prend, qui t'est well, qui t'est viré la terre, qui t'est prendra pour te couvrir les constater, c'est un passoire yo fait Maril tourner, yo pas connaît à qui que, eh bien mon ça lui-même lui fait action si là. L'autre information, zami internaute, Premier ministre Ariel Henry, eh bien, te fait un coup de pied, journée lundi, qui était 28 février là, dans le pays Belize, de côté, eh bien, l'Italie a participé dans la 33e réunion intersessionnelle, chef gouvernement avec chef l'État dans le pays, dans la région Caraïbes. Journée jeudi, eh bien, Premier ministre Ariel Henry a participé à la 4e sommet dirigeant CARICOM avec système intégration centre-américain côté ben, tout le pays dans la zone Caraïbes, même été présent. C'est premier gros voyage Premier ministre Ariel Henry fait dans le pays étranger depuis le rivé dans tête pouvoir dans le pays d'Haïti. Donc ça a gagné 9 mois après la mort, disons après assassinat président Jovenel Moïse la Kaeli dans Pèlerin 5. Donc c'est dans date 20 juillet 2021, eh bien Premier ministre Ariel Henry lui-même était monté sous pouvoir dans condition nous toutes nous connaissons. L'autre information, c'est la mort Robert Manuel, dit Bob Manuel, ancien secrétaire d'État sécurité publique sous gouvernement René Préval là, c'était un cerveau, eh bien, gouvernement régime Lavalas là, en matière de sécurité, côté Robert Manuel, dit Bob Manuel, t'as travaillé pour voir si t'es capable de gagner un autre climat sécurité dans le pays d'Haïti. Donc, monsieur, qui t'a gommé avec une maladie, ça a gagné un bon petit bout de temps, il mourit journée, donc jeudi 3 mars 2022, dans le pays Guatemala. Donc, sous cinquième l'année, c'était bon Jean Zami, président défunt, président René Préval. Donc, sous cinquième l'année, décès, président René Préval. Donc, cinquième l'année, depuis président René Préval mourit. Eh bien, comme bon Zami, monsieur mourit lui-même. Donc, jour pour jour, sous cinquième année, anniversaire, la mort président René Préval. Zami téléspectateurs, zami internautes, c'est la nouvelle campagne d'édition information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était Zami au frère Météfo qui t'a observé. Nous casser rendez-vous demain, même le à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.